terminer avec Total Energy. Total Energy qui, depuis le 1er janvier, a pris 16,45%, porté par la hausse des cours du pétrole, mais qui, depuis une semaine, bien, perd 5,36%. Du coup, que voir, Thomas? Comment comprendre? Ce qui est assez troublant, c'est que les énergies aussi, le secteur des énergies s'est mis à décrocher. Jusqu'à là, le CAC 40 avait dessiné un léger rebond qui était aussi porté par l'énergie. Et Total, notamment, a fait un sommet à 57,50 €. Donc, grande performance du cours de Total. Aujourd'hui, on est revenu se poser sur les niveaux de février, ce qui veut dire que, en clair, les investisseurs ne sont pas évidemment baissiers sur le titre, mais ils prennent des bénéfices parce que peut-être ils ont des pertes sur d'autres valeurs, des choses comme ça. Donc, ou plus basiquement, ils se disent que l'énergie sera amenée à être moins dynamique dans les prochains mois. Et effectivement, il y a de plus en plus d'analystes qui semblent avancer l'hypothèse d'un sommet prochain du pétrole, par exemple, Du prix du pétrole. du prix du pétrole autour des 117-120 $, et ensuite on diminuerait peut-être vers 100. En tout cas, on semble avoir un phénomène de plafonnement. Ça peut être l'inverse, hein, évidemment, Ouais, c'est en ça. temps Il y a de guerre. d'autres analystes qui disent qu'ils anticipent un cours à 150 $ le baril. Donc en fait, ça change toutes les semaines, j'ai l'impression. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que dans les prochaines semaines, on aura la réponse parce que l'OPEP semble aussi un peu reprendre la main. Donc, on verra ce qui se passe. Mais effectivement, si le cours du pétrole se retourne, ce sera plutôt négatif pour Total. Donc, en termes de seuil, il faut rappeler qu'on a fait un sommet à 57,50. J'étais revenu en avril en disant qu'on avait un clair signal d'achat à 47. Donc, ça a permis de faire évidemment une. Oui, de faire une plus-value puisqu'on est Bien à sûr, 51,33 aujourd'hui. de valider une importante hausse. Maintenant, les prochains seuils clés en termes de moyenne mobile et de figure technique aussi, ils sont à 59, notamment, suivis de 50,50 €. Ce sont des seuils assez importants à ne pas franchir, puisque si on va en dessous de 50,50 €, là, on retravaillerait la position par rapport au début d'année, et 49 €, le titre pourrait passer en marché baissier. Donc, même chose, les énergies sont en train de dessiner une figure de retournement, ce qui aussi nous renseigne sur la situation de crise au niveau international, hein, c'est-à-dire que est-ce que les énergies vont aussi lâcher de leur côté, ce qui nous conforterait plutôt dans le risque d'un ralentissement de l'activité, ou en tout cas de la fin des tensions. Donc c'est ces risques-là qui, à mon sens, sont à surveiller. Et on reste évidemment prudent sur les énergies, même si pour l'instant il n'y a pas de marché baissier. On a une claire prise de bénéfices.